Marc Lévy, la librairie des livres interdits, un roman captivant au cœur de la censure littéraire. Ce mardi 19 novembre 2024, Marc Lévy, l'auteur français le plus lu à travers le monde, dévoile son 26e roman, Astérisque. La librairie des livres interdits Astérisque. Publié chez Robert Laffont. Une œuvre engagée qui plonge le lecteur dans un univers où la littérature devient un acte de résistance face à la censure. Une réalité troublante au cœur du roman. Depuis mars 2022, plusieurs États conservateurs des États-Unis, à l'instar de la Floride, ont banni des milliers d'ouvrages jugés inappropriés pour le jeune public. Ces interdictions, qui concernent des classiques comme 1984 de George Orwell, le journal d'Anne Frank, ou encore La Servante écarlate de Margaret Atwood, ont inspiré Marc Lévy pour imaginer une histoire bouleversante sur la liberté d'expression et l'amour des livres. Dans ce nouveau roman, le lecteur fait la connaissance de Mitch, un libraire solitaire ayant passé 5 ans en prison pour avoir défendu et diffusé des livres censurés. Rongé par le désir de vengeance contre le juge qui l'a condamné, il croise la route d'Anna, une femme marquée par un passé difficile, de retour dans sa ville natale après s'être reconstruite à l'étranger. Entre eux, une histoire d'amour passionné et une lutte commune pour la littérature se dessinent. Marc Lévy, l'écrivain engagé. En interview, Marc Lévy confie « Quand je crée des personnages de fiction, je finis par les aimer profondément. Mitch et Anna, par leur résilience et leur passion pour les livres, m'ont particulièrement touché. Ce roman, à la fois intime et universel, interroge sur le rôle de la littérature dans nos sociétés et sur la nécessité de protéger cette liberté précieuse qu'est la lecture. » Vivant à New York, Marc Lévy signe ici un récit poignant qui résonne avec l'actualité, tout en célébrant la force des mots face à l'oppression. Avec la librairie des livres interdits Astérisque, l'écrivain nous rappelle que la littérature peut être une arme puissante contre la censure et un refuge pour les âmes en quête de liberté. Un roman à dévorer, pour tous les amoureux des livres et défenseurs de la liberté d'expression.